J'ai un frère à l'église là-bas qui dit de me marier. Ah, mais ça va bien. C'est quoi qui est bien? Alors, ma soeur, il y a une bonne nouvelle pour ma soeur. Il y a un frère qui est venu aujourd'hui ici. C'est un homme d'affaires. Imagine, il a l'argent. Bon, il va tout faire. Il va tout faire ce jour-là. Si vraiment que lui a un point de contact, en plus, il n'est pas marié. Tu ne peux pas m'arranger ça? C'est rien. C'est déjà fait. N'est-ce pas? Ah, toi, mais tu me connais. Tu viens à la maison, je dis à ma femme, le gars, tu viens, tu la crois, c'est un petit problème. Il dit, les deux sont comme ça. Ah, mais ça me parle. C'est elle qui t'a apporté de l'eau. Oui, oui, oui. C'est lui. Mais dis-moi, c'est possible que j'ai puisse aller chez elle avec elle. Oui, c'est possible, mais toi, tu es là. Alors, j'ai pensé. La fois d'aujourd'hui, là, non, pas attends, au moins, tu as attendu. Il sera en filet pour avant, pour que tu puisses te marier. Je tiens. Il ne connaît pas la bonne. Et si tu as un dossier là, déposé là, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on l'appelle. Non, toi jusqu'à ce temps-là, tu dois l'attendre. Et il regarde, moi, tu sais. Ah, mais tu ne vois pas. Tu as une belle soeur comme ça. Ah, tu as ce thé-là. J'avais vu le pasteur la dernière fois pour qu'il puisse nous donner le temps d'échanger. Voilà, pour que nous puissions nous fréquenter. Parce que j'ai déjà plusieurs fois prié et le Seigneur m'a montré que c'est toi avec qui je devrais. Voilà, commencer les étapes de la présentation. Moi, je suis convaincu que c'est toi que tu m'as dit. Non, c'est faux. Faut aller prier encore. C'est pas moi. Je voudrais qu'on prie ensemble si tu veux. Quelle prière encore tu as fait? Elle va prier là. En tout cas, moi, c'était engagé. Tu es d'accord avec moi? Depuis, il m'a parlé de toi-même. C'était engagé. Donc, attends, les soeurs de maintenant, c'est comme ça qu'elles sont devenues.